Moi, je voudrais d'abord féliciter Lucen et toute son équipe parce que c'est un boulot énorme. On a changé cette année la date, il y avait quelques petites angoisses et puis finalement, bah, vous êtes présents au rendez-vous, 2600 inscrits. Donc c'est un vrai succès et c'est vrai que c'est un bonheur que de pouvoir courir dans le Touquet, dans la forêt, sur la plage. Donc vous avez préparé un très beau parcours. Donc moi, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est merci. Merci à Lucette, à toute son équipe, aux signaleurs, à tous ceux qui ont préparé depuis des mois cette course et puis ceux qui seront mobilisés cet après-midi pour qu'on puisse se faire plaisir. Donc moi, je participe mais très, très modestement. Et comme disait Pierre de Coubertin, qui a décidé d'ailleurs son nom au Touquet, puisqu'il a présidé le comité des sports ici en 1904, l'essentiel, c'est de participer. D'Artois Athlétisme à Bouet-la-Bussière, un athlète qui a beaucoup beaucoup de mérite, Christophe Glavieux en catégorie handisport qu'on va retrouver aussi sur le 10 km semi-marathon. Voilà, Christophe Glavieux sur le semi-marathon, on peut l'applaudir bien fort, athlète d'Artois Athlétisme. Et à côté de moi, pareil, on le voit, ça fait 5 ans que je te connais maintenant, Michael, puisque tu nous suis sur la team FTD, sur le trail, sur les traces de David, avec ton fils Louis. Un grand oui pour lui, que vous retrouvez également sur les réseaux sociaux très régulièrement. Il a fait également le triathlon Gravelines l'année dernière, la semaine dernière avec Fred. On le retrouve aussi aujourd'hui au Touquet. Enfin bref, si vous arpentez la région sur les différentes courses, on retrouve ces trois personnages très très régulièrement. Christophe ayant fait un top 10 sur la route du Louvre il y a un mois et demi maintenant. Voilà, donc je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour ces bonhommes. C'est parti, on est là. Et voilà,
Il a beaucoup de cerveau. Super. Est-ce qu'on te revoit l'année prochaine, Rami? Oui, oui. Alors, on va encore citer. Oh, Belgium! Trop dur. Ouais, effectivement. Hey, c'est moi.